Spotify, le numéro 1 mondial de la musique en streaming, fait ses premiers pas en bourse aujourd'hui à New York sous le symbole Spot. Une opération via une procédure atypique dite de cotation directe, simplifiée et moins coûteuse car sans intermédiaire. C'est aussi plus imprévisible car le prix des titres n'est pas fixé à l'avance. Spotify, ce sont 71 millions d'abonnés payants, une entreprise qui a révolutionné le marché de la musique et qui pourtant n'a jamais engrangé le moindre bénéfice. Une cotation directe est beaucoup moins chère, elle permet de mieux contrôler là où vont les actions et évidemment, beaucoup d'employés de Spotify, qui sont là depuis le début, verront leur salaire versé en actions. Spotify va finalement tenir ses promesses et permettre aux salariés d'encaisser les résultats de leurs investissements. Hasard du calendrier, l'entreprise suédoise fait son entrée sur les marchés au moment où les valeurs technologiques connaissent une passe difficile.